Je me présente, Marie-France Verfaillie, je dirige la commission marketing and sales avec mon coprésident qui n'a pas pu se joindre à moi aujourd'hui, Alexandre Rouzotte. Il s'agit au niveau de la commission en fait de parler des outils digitaux qui permettent de développer le chiffre d'affaires des sociétés dans un cadre marketing ou commercial. Et comme on est en période Covid et que la vidéo a pris énormément de place. Pardon, j'ai un petit problème. Voilà, c'est réglé. Et donc, le but, c'est de parler des outils digitaux pour développer le chiffre d'affaires des sociétés. On a trouvé pertinent de parler de la vidéo vu que le Covid a chamboulé un peu les usages et qu'on est tous sur Zoom aujourd'hui parce que le présentiel, c'est plus trop possible. Faire intervenir un expert de Made in Soft, un adhérent de longue date, Mathieu, que je peux se présenter, pour parler de ce sujet-là. Et l'idée, c'est de vous faire réfléchir autour de cet emploi de la vidéo, voir quels sont vos retours d'expérience, et construire ensemble un document commun qu'on publiera et qu'on mettra à disposition de tous les adhérents de Made in Soft. Donc voilà pour l'ordre du jour. D'abord, 20-30 minutes d'échange sur la thématique avec Mathieu. Et ensuite, on vous mettra en salle deux par deux pour que vous puissiez faire connaissance entre personnes qui ont participé à la réunion. Je te donne la parole, Mathieu, vas-y. Merci Marie-France. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Mathieu Renoir, je suis le cofondateur de Upside.co et de Provids. En fait, Upside, c'est un réseau de techniciens audiovisuels qu'on a construit sur une plateforme web, des opérateurs qualifiés dans tous les domaines de l'audiovisuel que nous on envoie en mission chez nos clients. Et nos clients, on les capte comment? Ben, avec Provids, qui est en fait notre agence audiovisuelle qui permet d'accompagner des entreprises dans la production de vidéos. Communication, publicité, promotionnel, enfin tout type de contenu audiovisuel grâce à tous nos opérateurs qualifiés. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez Provids et chez Upside. Ok. Te laisse peut-être enchaîner pour présenter la commission Marketing and Oui, Sales. alors Alors je suis aussi dans la commission, oui, j'avais oublié, mais oui. en fait c'est mon associé qui est coprésident de Ouais. la commission ICC, ICC. Industrie culturelle et créative. Et voilà, donc du coup, on est aussi dans cette commission et on essaye justement de rassembler les acteurs de cette industrie pour qu'on tire tous ensemble dans le même sens et pour surtout qu'on puisse faire du business tous ensemble, qu'on puisse aller décrocher des gros contrats, des grosses prods, voilà, typiquement Provence Studio là, qui signe avec des producteurs américains pour des grosses séries. Donc ça, c'est top et c'est tout ce qu'on veut et faire travailler surtout les acteurs du territoire dans l'audiovisuel, dans l'artistique et dans tout ce qui touche à la culture. Ok, moi je vais juste faire un petit point sur Made in Soft, vous dire que Made in Soft, c'est le plus gros cluster de la transformation digitale dans le Sud. La mission globale de l'association, c'est d'accompagner à cette transformation. Et c'est pour ça qu'au niveau des adhérents, comme on est très nombreux, on a découpé nos activités en plusieurs commissions. Donc aujourd'hui, c'est la commission marketing and sales. Vous voyez qu'il y a des ponts entre commissions puisque Mathieu est là et représente aussi la commission ICC. Donc sans plus tarder, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais laisser Mathieu vous parler de la vidéo pour booster le chiffre d'affaires. Sachez en tout cas que l'association est ouverte aux adhérents et aux bonnes volontés. Donc si vous avez besoin d'informations sur le programme des adhésions, je me tiens à votre disposition après par mail ou par téléphone. À toi, Mathieu. Allez, on y va. Je vais partager mon écran. On Tout te le monde voit voit mon et on voit écran? l'écran. Bon, c'est bien, parfait. Alors si je fais ça, tac. Non, je ne peux pas faire comme ça. Voilà. Alors au programme aujourd'hui, donc bon, qui sommes-nous? J'en ai déjà un petit peu parlé, donc je vais passer vite là-dessus. On va parler en introduction de la vidéo, qui est un format de communication performant aujourd'hui. Pourquoi c'est performant aujourd'hui, d'autant plus qu'avant, même si déjà avant ça l'était, mais encore plus aujourd'hui. Ensuite, on verra comment créer et diffuser vos vidéos avec des outils simples que vous puissiez faire des choses vous-même, sans forcément avoir besoin d'une agence de com à côté de vous. Ensuite, les 5 astuces qu'il ne faut pas oublier quand on veut produire des vidéos et des contenus de qualité, enfin, voilà, pour pas être contre-productif. Ensuite, on verra comment diversifier vos contenus pour être impactant, donc avec des types de vidéos, qu'est-ce qui marche,
qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui fonctionne sur les différents réseaux et canaux de diffusion. Et quelques exemples ensuite, du coup, de vidéos que vous pourrez aller découvrir. Voilà, donc on avance. Donc, qui sommes-nous? Ben, je l'ai déjà dit. Donc, moi, c'est Mathieu Renoir et mon associé, c'est Vincent Tournière. Nous, on a créé Upside.co et Provids dans un seul but, c'est de simplifier la production audiovisuelle. On a des opérateurs techniques rassemblés sur une plateforme web qui s'appelle Upside.co. C'est un outil en fait, qui permet de faire du matching entre des projets et des ressources humaines qui sont donc ces opérateurs techniques. Et on utilise en fait cet outil avec Provids, qui est notre agence, qui est en direct, elle, avec des entreprises. Mais l'outil Upside.co peut être utilisé par d'autres sociétés de production, bien entendu. Voilà, je passe plutôt vite là-dessus parce que je me suis déjà présenté. Donc, on va tout de suite rentrer dans l'introduction et dans, du coup, pourquoi la vidéo est un format performant aujourd'hui pour faire des ventes. Parce que c'est ça le sujet quand même. Donc, depuis quelques années, le format vidéo devient indispensable. On dit toujours qu'une image vaut 1000 mots. Alors, du coup, la vidéo, on peut imaginer qu'elle en vaut bien plus que ça. En 2020, quelques chiffres. Donc, 80 000 vidéos vues chaque seconde sur YouTube. 90% des actifs qui ont découvert une marque ou un produit grâce à une vidéo YouTube. Donc, ça, c'est énorme. C'est des chiffres qui sont incroyables. Quand on se dit que chaque seconde, il y a 80 000 vidéos qui sont vues sur YouTube, c'est que vraiment, il y a du contenu à voir. Mais par contre, il faut être quali. Et c'est là où il faudra bien jouer après. Et enfin, il y a 66% des publicités qu'on peut, vous savez, qu'on ne peut pas passer au départ des petites pubs là, qu'on voit quand on veut regarder des vidéos sur YouTube. Ben, 66% de ces publicités ont augmenté la notoriété des marques de 14%. Donc, ça veut dire que les petits formats courts de 10-15 secondes qui peuvent être affichés en préambule d'une autre vidéo peuvent être aussi un format très pertinent. Et donc, là, en 2020, avec la Covid, la présence digitale s'est vraiment accrue et le marché s'est complètement transformé. Nos habitudes de consommation, ben, encore plus. Et comme on a été dans l'incapacité d'aller dans des magasins pendant plusieurs mois, les ventes sur Internet ont explosé. Et ce qui a permis, du coup, de toucher des nouveaux consommateurs. Et comment on les touche? Ben, il faut aller plus qu'un simple site Internet, il faut aller les toucher avec quelque chose de dynamique, de percutant et d'impactant qui va leur procurer des émotions. Et la vidéo fait vraiment partie de ce type de format qui va déclencher l'achat beaucoup plus efficacement. Il y a une étude qui a montré que 73% des internautes sont plus susceptibles d'acheter un produit ou un service après avoir visionné une vidéo sur le sujet. Donc, ça, c'est un chiffre aussi qui est très important. Et il y a aussi 58% des consommateurs qui considèrent que les marques et les entreprises qui produisent du contenu sont dignes de confiance. Donc, en plus d'être plus efficace pour vendre, ça vous apporte aussi cette légitimité et cette confiance que les consommateurs ont vraiment besoin quand ils achètent et surtout en ligne. Donc, ça rend les choses réelles, en fait. Exactement. Et ça, c'est très, très important, surtout quand on est que en digital. Donc, je pense que vous l'avez tous compris, il est grand temps d'intégrer la vidéo à votre stratégie de communication. Donc, passons à la partie suivante qui est donc créer et diffuser des outils, créer et diffuser avec des outils simples. Donc, la vidéo, c'est un format de communication qui peut faire peur. Je peux comprendre que ça peut faire peur parce qu'on se dit qu'est-ce que je vais devoir dire, comment je vais le faire, qu'est-ce qu'il faut comme matériel. Combien ça coûte? Et voilà, et la dernière question, c'est combien ça coûte. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est soit la dernière, soit la première, ça dépend. Ouais, c'est souvent la première. Ouais, mais au final, bon, il y a plein de choses qui peuvent faire peur. Oui. Et du coup, là, je vais vous faire un petit panel de trois outils qui peuvent déjà vous aider à commencer à faire des choses propres, efficaces et qui ne coûtent pas trop cher, voire même, il y a des formules gratuites sur certains. Donc, le premier outil, c'est un outil de création qui s'appelle PlayPlay, qui est plutôt réputé, hein, dans les vidéos d'entreprise. En gros, il y a plein de fonctionnalités qui vont vous aider à faire des animations, à intégrer du texte, des photos, des vidéos. Vous pouvez intégrer votre charte graphique. Ça vous permet en fait de faire des petites vidéos qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux avec des petits formats animés, du motion design un peu animé, simple mais efficace, avec une bibliothèque de templates qui est large. Donc, voilà, vous pouvez laisser place à votre imagination avec PlayPlay. C'est un outil payant, mais qui quand même assure un service de qualité qui pour moi est top. Je crois que le prix de départ est à 160€ par mois avec la possibilité d'un essai sur 7 jours. Mais voilà, c'est un véritable outil qui peut vous aider à faire du contenu audiovisuel à moindre coût et facilement si vous avez un petit peu la fibre quand même créative, on va dire. Alors, pour les personnes qui ont moins de budget, pardon,
Il y a deux autres outils qui peuvent être utilisés. Donc, il y a Spark Video qui a été créé par Adobe, qui existe aussi sur iPhone et iPad. Et là, c'est pareil, c'est très simple à utiliser. Il y a une grande variété de styles, de thèmes, des banques d'images libres de droit. Pareil, vous construisez votre vidéo avec, avec des images, avec du texte qui vient s'afficher, des transitions. Vous pouvez rajouter des voix off aussi. Donc, enfin, c'est pareil, c'est très complet. Il y a une formule de lancement gratuite. Et ensuite, il y a des formules pour les particuliers ou les équipes qui commencent à 11,99 par mois et qui peuvent monter jusqu'à 23,99. Voilà, c'est des choses que vous pouvez utiliser pour le coup, parce qu'il y a des jours offerts. Et n'hésitez pas, allez-y, tentez. Si vous voyez que ça ne marche pas, ben, arrêtez. Mais au moins, vous pouvez aller tester. Ça permet de et tester. Voilà, ça permet de voir ce que vous pouvez produire si c'est pertinent pour vous. Et dans un autre style, il y a Powtoon, en fait, qui est un logiciel pour faire des vidéos plutôt cartoon, plutôt motion design animé avec des personnages, avec des schémas explicatifs. Là, on est plus dans de la vidéo explicative pour décrire comment fonctionne un service ou un produit. Pareil, des templates simples, originaux. Voilà, on peut tout adapter, on peut tout faire avec cet outil aussi, qui est plutôt joli. Après, c'est des motion design qui restent simples, mais qui sont efficaces. Donc, pareil, il y a des formules qui commencent gratuites et puis vous montez 13 euros, 16 euros, jusqu'à 80 euros pour les agences. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Mais voilà, je pense que ces trois outils-là vous permettent de déjà avoir une base de contenu qui est déjà prêt à être diffusé, en fait, parce que c'est monté, c'est tout en un, quoi. Et donc, la question d'après, c'est comment on vient diffuser? Parce que ça, c'est la question d'après, une fois qu'on a... On a parlé de ce sujet-là, simplement pour dire à tout le monde, vu que là, on est dans le cadre de la présentation, qu'à la fin de cette présentation, maximum le 16 mars, vous aurez un document synthétique qui reprend tout ce que Mathieu vient de dire avec les liens et vos contributions. Tu fais bien de le rappeler. C'est vrai que je vais un peu vite. Non, mais c'est pour au cas où, parce que j'essaye de mettre des sous-titres, mais en plus, sachez qu'après, il y a une fiche et vous la recevrez. Je continue du coup. Donc là, on passe à la partie diffusion. Une fois que vous avez votre contenu, comment diffuser votre vidéo promotionnelle que vous venez de créer? Bon, ben, y a plusieurs façons, hein. Il y a les réseaux sociaux et les plateformes d'hébergement. Donc, bon, ben, il est impossible de pas évoquer YouTube, qui est le site d'hébergement le plus populaire, qui est devenu quasiment un réseau social en soi. Et qui est aussi du coup en fait un moteur de recherche qui est imparable, parce que quand on tape quelque chose sur Google, il y a des premiers liens et en dessous il y a direct des vidéos. Donc on peut aussi se référencer facilement avec du YouTube et ça permet vraiment de gagner en visibilité et surtout à l'international aussi. En vrai, YouTube est gratuit, vous pouvez uploader vos vidéos dessus, créer votre chaîne, tout ça est gratuit. Il y aura des publicités qui vont venir s'afficher devant vos vidéos parce que vous avez un compte gratuit. J'imagine que si vous adhérez au programme, après, vous pouvez supprimer tout ça. Mais après, ça dépend selon vos besoins. Moi, par exemple, pour nous, on n'a pas de compte payant et ça marche très bien. Il n'y a pas forcément non plus 15 millions de pubs au départ et ça marche très bien et ça nous permet d'être référencés. Et ensuite, donc les réseaux sociaux, bah, on va parler de Facebook, même si au final, il y a maintenant, ça marche très bien sur Instagram, Twitter, c'est plus pour du partage instantané de nouveautés, de news. Et il y a des petits formats qui commencent à arriver sur TikTok, par exemple, ou sur Twitch. Alors, c'est des plateformes un petit peu hybrides qui sont dédiées à des niches, mais ça commence un petit peu à arriver. Donc, si on refait la présentation dans 6 mois ou dans 8 mois, il y aura peut-être des choses à dire sur TikTok ou sur Twitch. Je vais en profiter pour faire un complément sur les audiences en fait, de ces canaux, ce qui est quand même quelque chose de très important parce que la rentabilité de la conception vidéo passe par le fait de s'adresser à la bonne audience. Sur YouTube, on a une moyenne d'âge native, si on prend le global, qui est plus proche de en dessous de 35 ans qu'au-dessus. Donc, sur TikTok, c'est très, très jeune. Donc, c'est vrai que... quand on prend LinkedIn, on a du monde professionnel, mais en même temps, les moyennes d'âge sont plutôt sur des postes cadres. Donc, tout dépend de ce qu'on a à commercialiser. Tous les canaux ne sont pas forcément bons. Mais ça permet d'être référencé. C'est le terme qu'a employé Mathieu. Je pense qu'il faut quand même le retenir. Quand on a un site web et qu'on veut communiquer très facilement et héberger du contenu vidéo, c'est quand même beaucoup plus pratique de le faire sur une de ces plateformes. Et on peut aussi en profiter pour jointer la bonne audience.
mais c'est une étude qui est à faire à part aussi au-delà et on n'a pas les mêmes projets et chacun. Voilà, je laisse Mathieu continuer. Ouais, non, mais en fait, c'est bien parce que c'est les questions un peu que j'allais poser et que j'allais inviter les personnes à se poser aussi. C'est vraiment important de définir une stratégie en amont et du coup de définir vraiment trois choses. C'est quelles sont vos cibles, qui vous voulez toucher, où est-ce qu'elles se trouvent, sur quel réseau social, sur quelle plateforme, où est-ce que je peux les toucher et quels sont surtout vos objectifs avec une vidéo. Il ne faut pas qu'une vidéo soit faite juste pour faire une vidéo. Il faut qu'il y ait vraiment un objectif pour aller toucher une cible précise. Et du coup, c'est toute cette stratégie-là qui est, pour moi, indispensable de définir en amont de la création du contenu. Donc, on va enchaîner sur les cinq astuces pour produire des vidéos de qualité. Donc, alors, au niveau des astuces, bon, afin que vous ne partiez pas à l'aventure sans aucune connaissance, je vais quand même vous donner des petits tips pour vous permettre de réaliser vous-même vos vidéos, parce que c'est quand même la base pour pas que vous dépensiez trop d'argent. Donc, on va dire que la première chose, c'est la qualité de l'image. Bon, le but n'est pas forcément d'avoir une caméra professionnelle absolument folle. Là, les smartphones jouent très bien le rôle avec des très bons objectifs et des très bonnes qualités d'image. Il faut juste vérifier que voilà, les objectifs soient propres, en bon état. Vous pouvez acheter des petits accessoires qui viennent enrichir l'expérience du smartphone, comme un Osmo, par exemple, qui viendrait apporter cet effet de mouvement où vous pourrez vous balader avec le téléphone dans les mains, mais en ayant un mouvement un peu de traveling. On peut imaginer le trépied, bien entendu. On peut brancher des micros pour faire de l'interview aussi avec des smartphones. Il y a plein de choses qui existent. Il y a d'ailleurs plein de chaînes YouTube qui existent pour vous donner ces conseils et quoi acheter comme type de matériel. On est par exemple chez Upside, on est en partenariat avec une chaîne qui s'appelle Little Walk of Fame. C'est deux jeunes qui parlent de matos et de tips justement pour faire des vidéos tout seul avec un smartphone autour de l'apéro. Donc c'est plutôt fun. Je vous invite à aller voir un peu leur chaîne si vous avez des envies de faire vos propres vidéos avec vos smartphones. Ensuite, il y a le lieu. Alors le lieu, c'est pour moi important parce que c'est ce qui va vous permettre de montrer ce qu'il y a derrière. Et c'est un endroit en fait qui va renvoyer une image. Donc si il faut vraiment prendre le temps de bien sélectionner le lieu, qu'il soit propre, qu'il soit rangé, parce que c'est ce qui va renvoyer l'image de votre marque et de votre société. Donc c'est hyper important que vous soyez là-dessus. Ensuite, il y a la luminosité. Alors la luminosité, ça pour moi, c'est l'élément essentiel. C'est-à-dire que, en gros, la lumière, c'est la base. Si une scène n'est pas éclairée, on va voir tout de suite que c'est un contenu qui a été fait de façon amateur, entre guillemets. Et donc, du coup, ce n'est pas du tout pertinent, et ni pour vous, ni pour votre marque, ni pour votre produit. Donc, la lumière, c'est essentiel. Donc, des petits panneaux LED qui viennent éclairer la scène, une lumière blanche neutre, mais qui au moins vient éclairer ce que vous êtes en train de filmer, c'est la base. La lumière blanche, c'est la base. Ensuite, on peut parler du coup de la post-production. Donc, la post-production, c'est tout ce qui concerne la phase qui est après le tournage. Donc, ça va du montage des images à l'ajout du son, l'ajout des sous-titres, l'ajout de la voix off, l'étalonnage, la colorimétrie, enfin tout ce qui est après la production, on va dire le tournage. Et ça, c'est hyper aussi, enfin, c'est hyper important parce qu'au final, c'est ça qui permet de rendre dynamique une vidéo. Donc, un montage, il faut qu'il soit dynamique. Il faut qu'il y ait la bonne musique qui va procurer l'émotion et qui va être impactante. Pas trop de mots à l'écran, mais quelques-uns, c'est bien aussi. Voilà, des sous-titres s'il faut. Mais tout ça, c'est important de le penser toujours en amont. J'ai déjà dit, mais voilà, vraiment, il faut le réfléchir en amont. Et enfin, on peut passer à la publication. Et là, c'est le moment de la publication. Donc, c'est définir à quel moment c'est pertinent de publier un contenu et encore une fois, à quel endroit, pour quelle cible, on y revient, mais c'est toujours très important de ne pas envoyer une vidéo comme ça sans réfléchir. Il faut vraiment qu'on puisse se dire oui, je sais que c'est maintenant qu'il faut que je publie cette vidéo parce que ça va toucher telle cible et je sais qu'elle est sur telle et telle plateforme. Voilà, donc c'est très très important. Ces cinq tips, il faut garder-les à l'esprit quand vous faites des vidéos. Vraiment, n'hésitez pas à utiliser vos smartphones, la lumière, le lieu, le montage dynamique. Enfin, la post-prod dynamique, mais le montage et la musique, et surtout le bon moment
pour publier votre vidéo. D'ailleurs, il existe des outils qui vous permettent d'analyser un peu les bons moments pour publier sur les réseaux sociaux, d'avoir des statistiques d'ouverture, de clics, en tout cas sur vos pages, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à les utiliser pour savoir au fil de l'eau quel est le moment le plus opportun pour publier vos contenus. Quel type d'outils on peut utiliser pour gérer ça? Parce qu'on voit de plus en plus, enfin, surtout avec le Covid, il y avait pas mal de box qui étaient proposées, tu sais, blanches, tu mettais ton produit dedans avec des éclairages. Enfin, il y a Tout à des fait. trucs qui sont un peu des pièges en plus à clients, parce que j'en connais plein qui en ont acheté et qui n'ont pas réussi à faire des photos correctes. Il y a toutes ces notions après de détourage. C'est pour ça que tu parles de bien faire un travail au départ, mais après, tu as. Parce que sinon, il faut retravailler en post-prod et on n'a pas forcément les compétences pour le faire. Qu'est-ce que Oui. tu conseilles là-dessus? Effectivement, ça dépend de ce qu'on a à vendre, hein. Si effectivement c'est un produit, le mieux, c'est effectivement ces box de lumière. Alors, il y a de toute qualité, comme tu dis, mais il y en a de bonne qualité quand même, qui vont en fait créer ce caisson un peu dans tous les coins, avec la belle lumière blanche qui va venir éclairer le produit dans tous les sens. On peut imaginer faire tourner le petit truc dessous, qu'on peut mettre une petite assiette. Enfin, après, c'est aussi un peu du do it yourself, hein, quand on fait des choses comme ça. Donc, on sait qu'on n'a pas le budget pour aller voir des agences, donc on le fait tout seul. Donc, il faut essayer de trouver des manières de faire. Donc, oui, la box pour prendre des packshots de produits, ça marche bien. Après, quand on capte des visages et tout, moi, je dis toujours, c'est mieux d'être dans un endroit assez petit, mais avec deux belles lumières qui éclairent de chaque côté pour écraser les ombres. S'il y a un fond vert derrière, bon, c'est plus facile pour détourer s'il y a besoin de détourer. Après, il n'y a pas forcément besoin de détourer dans tous les cas. Donc, non, encore une fois, il y a plein d'astuces. Mais oui, la box lumière en fait partie, qui coûte quelques centaines d'euros si on veut un truc de qualité, notamment sur des sites en ligne connus. Mais non, oui, voilà. Après, j'avoue que les packshots de produits, ce n'est pas les trucs que nous, on fait régulièrement parce qu'on n'a pas de produits, nous. On n'a que du service. Mais c'est vrai que je sais que, en tout cas, ces box lumière fonctionnent très bien. Quand on veut, par exemple, je sais pas, si on fait des recettes, si on est un restaurateur, qu'on veut prendre en photo ses plats, toujours penser de le prendre dans un sens, mais aussi par-dessus. Donc, il faut venir éclairer bien comme il faut par-dessus. Enfin, voilà, le fond. Voilà, la table, il faut qu'elle soit jolie. Enfin, tout ça, c'est un peu du stylisme, de la créa, on va dire, du stylisme autour Ouais, du donc produit. Mais en gros, c'est comme ce qu'on évoquait sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir son plan, sa feuille de route, son storyboard, comme on dit un peu voilà, dans ça ne le. s'improvise pas. Je le répète, hein, je le dis depuis le début, mais Il faut faire une avoir une vidéo, stratégie claire. Voilà. voilà, faut pas que ça s'improvise, il faut pas se dire, tiens, aujourd'hui, on va faire une vidéo. On peut le faire, mais généralement, ça ne sera pas hyper quali. Il vaut Ça mieux marche. se dire pourquoi je fais la vidéo, comment on l'a fait, quand est-ce qu'on l'a fait, comment on la publie. Si tout ça est bien calé et qu'on sait ce qu'on fait et on sait où on va, là, il y a de bonnes chances que ça soit pertinent. Ok, merci Mathieu. Je continue du coup sur les idées de contenu diversifiées qui fonctionnent sur le marché. Donc là, on va parler en fait des types un peu de vidéos qui permettent de savoir ce qu'on peut mettre dedans sans partir dans des trucs trop complexes et qui vous permettront à vous d'augmenter vos ventes. Donc, on va parler d'abord de la vidéo teaser. Alors, une vidéo teaser, c'est une vidéo qui permet d'attirer et de susciter la curiosité. Donc, en fait, c'est une durée très courte généralement, 30 secondes, c'est très bien. Ça doit aller vite, ça doit être dynamique, ça doit trancher dans l'art direct. C'est le truc qu'il faut aller, enfin, qui doit envoyer du lourd, mais tout en gardant quand même un petit peu sous le pied pour pas tout dévoiler. Forcément, le but, c'est d'attirer pour que les gens pré-cliquent en disant je veux en savoir plus. Voilà, le but, Du c'est coup, la durée d'un teasing, ouais, 30 secondes, c'est très bien. Voilà, faut pas aller plus loin. Moi, je dirais entre 15 et 30 secondes, parce que Ok, ça si marche. voilà, pour moi, même 15 secondes, c'est très bien aussi. Mais ça dépend du message qu'on va faire passer. Plus c'est court, plus c'est impactant, plus il y a. Voilà, toujours ne pas oublier là, sur ce teaser, on peut se dire une vidéo, une idée, quoi. On peut pas dire quatre trucs dans un truc de 15 ou 30 secondes. Il faut se dire, bon, ok, je fais une petite vidéo de 15 secondes et je mets une idée principale, le truc, tac, l'argument choc. Et c'est cette vidéo-là qu'ensuite on va pouvoir, bah, par exemple, sponsoriser sur un réseau social. Envoyer, en mettre un petit gif de cette vidéo dans une signature de mail pour inciter les gens à cliquer, la mettre dans une newsletter.
Enfin, voilà, il y a plein de, il y a plein de façons d'utiliser ensuite ce contenu. Mais c'est, voilà, c'est pour moi le truc qui est un peu comme une bande-annonce de film. Hein. Bon, après, ça nous donne envie d'aller voir le film. Ben là, c'est un peu pareil. Il faut que ça donne envie de creuser sur le produit en question ou sur le service en question. Ensuite, on a la vidéo de prospection. Alors, celle-là, elle est utilisée généralement par presque 50% des équipes commerciales. Enfin, presque. Ouais, elle est moins de 50%. Et en fait, c'est justement là où c'est un avantage, c'est qu'elle n'est pas encore beaucoup utilisée. Donc, ça peut vous donner un avantage par rapport à vos concurrents potentiels. Donc, en gros, c'est une vidéo qui vient accompagner, qui vient réassurer, qui vient vous donner une image humaine qu'on peut, par exemple, envoyer en parallèle d'un emailing, par exemple. Ou, enfin, en tout cas, c'est une vidéo qui est là pour faire de la réassurance, pour apporter des compléments de réponse. Et généralement, ça a un bon taux de... C'est un bon taux de clic, c'est un bon taux de réponse en plus de la, en plus de l'emailing, par exemple. Donc, le but, ça là, c'est d'être humain. Ensuite, il y a la vidéo de témoignage et satisfaction client. Donc là, pour le coup, c'est parfois difficile pour un client de faire complètement confiance à des gens qui leur vendent quelque chose. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de clients qui vont voir les avis. Et en fait, les avis, bon, avec les étoiles, on connaît, mais les avis avec un témoignage vidéo, là, tout de suite, ça vient rendre authentique votre discours, puisque c'est les clients qui vont parler de vous à votre place. Et là, pour le coup, il n'y a pas de triche. Alors, on peut toujours se dire, oui, c'est fake, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment un client. Mais en fait, si le mec, il a noté, qu'il a mis son nom, son entreprise, et qu'il vient faire une vidéo derrière pour dire qu'il est content, généralement, les gens qui regardent sont plutôt convaincus que le mec est réellement content. Donc ça, c'est pareil, ça peut être une stratégie à adopter pour inciter les gens à aller regarder ça dans des signatures de mail ou sur votre site internet, de mettre en avant ces témoignages clients dans des tunnels de vente, par exemple, sur un produit particulier, vous mettez les témoignages qui correspondent à ce produit sur le canal de vente. Et voilà, je pense que c'est beaucoup plus pertinent, ça vous humanise encore plus et faire parler le client à votre place, c'est toujours bénéfique, hein, dans tous les cas. Et enfin, la vidéo explicative. Alors là, on est plus sur une vidéo qui est un peu plus longue. On peut tourner autour d'une minute, 1 minute 30. Ça va dépendre. Et là, on est pour apporter des réponses, améliorer le trafic, gagner en visibilité. Voilà, là, on est vraiment sur la vidéo qui va venir expliquer en fait ce qu'on fait de façon claire, simple, pas trop longue, parce que 1 minute 30, ça passe vite. Mais il ne faut pas faire plus parce qu'après, ça devient. Enfin, sachant que l'attention des gens qui regardent une vidéo, au bout de la 87e seconde, elle diminue. Donc voilà, 1 minute 30 pour moi, c'est le format max. 1 minute, c'est bien aussi. Voilà, il faut rester focus sur ce qu'on veut dire. Mais celle-là, ce type de vidéo, c'est ce qui va vous permettre de gagner en visibilité à la fois pour votre marque, mais aussi sur les moteurs de recherche. C'est typiquement ce genre de vidéo qu'on peut imaginer ressortir sur Google quand on tape quelque chose. Et ben, hop, ça fait ressortir des vidéos. Ça peut être ce type de vidéo-là qui sont pertinentes. Voilà. On peut passer à des exemples. Alors, au niveau des... Oui, Pour au dis. niveau des exemples, ce que je propose, c'est qu'on fasse travailler le groupe sur les exemples à proposer, Ouais. sur notamment les trois thématiques que tu as positionnées, storytelling, interaction avec vos utilisateurs et ambiance sonore et packshot. Je trouve que c'est assez original. Je ne sais pas si on aura des choses de ce type, mais Moi, là, je vois j'avais que... complété un tout petit peu avec... Là, des prods que nous, on avait fait en Bah, termes de on teaser. regardera après Voilà, la il y en a mise plusieurs. en. Du coup, ça permettra de regarder. Cache tout ça, Je qu'il soit pas cache, je aidé. cache, Cache-le, je cache-le. cache, je cache. Voilà. Mais l'idée, là, ça serait de. Je vois que Virginie, en plus, parle des formats interview, ce qui est un autre format aussi de vidéo. C'est intéressant. Ce que je vous propose de faire, c'est que là, pendant 10 minutes, vous allez vous retrouver dans une salle one-one avec quelqu'un. Ça sera l'occasion de rencontrer un des participants à cette réunion. Et de réfléchir autour de cette thématique et nous proposer des exemples de vidéos que vous connaissez ou que vous avez vous-même fait dans le cadre du storytelling ou de l'interaction utilisateur. Donc, dans les exemples qu'on a cités, remets la slide 14, s'il te plaît, Mathieu. Donc, voilà, du teasing, de la prospection ou même des interviews. Je vous laisse rentrer dans ces salles. Nous, on va venir régulièrement vous voir juste pour voir si tout va bien. Vous faites connaissance, vous parlez un peu de ça, et puis on se retrouve après tous en salle pour voir ce que vous avez à nous dire en termes de vidéo type. Voilà.
Si tout le monde est à peu près d'accord, oui, Virginie, il y aura un replay. Voilà, j'ai répondu, je crois, à toutes les questions. J'ai que Vincent qui est tout seul dans une salle, alors je vais mettre Vincent avec Thierry. Mec Vincent avec Thierry Goujon qui est dans la salle 5. Voilà. Manon est seule dans la salle 4, donc je vais la mettre avec Mathieu. Voilà. Allez, on fait ça. C'est parti. Vous pouvez rester ici hein, si vous voulez pas aller dans une salle. Maëlys Dondu, je ne vous ai pas mis dans une salle exprès au cas où. Au cas où je serais perdue, il faudrait me faire revenir, d'accord? D'accord. Vous êtes toutes, on n'est que toutes les trois là, d'accord? Et je vais aller vite fait dans une salle. Là, j'ai trouvé le bouton rejoindre grâce à toi, grâce à vous, Maëlys, merci. Je vérifie qu'ils sont bien tous dans des salles. Voilà, ils sont tous deux par salle. Donc là, pour ceux. Ah ben oui, on a juste ça pour ceux qui sont sur YouTube.
C'est génial. Bon, le compte à rebours a sonné, tout le monde nous rejoint pour partager un peu ses réflexions. Donc, ils arrivent, il faut leur laisser le temps de quitter les salles sans forcément quitter la réunion. C'est pas forcément Ce clair sur qui sur les implique boutons. d'appuyer, et ouais, parce que la vidéo, ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de boutons autour de la vidéo, C'est donc pas pas forcément très intuitif facile. ou très user-friendly, on va dire, dans Non, les termes c'est logiciels. exactement. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de ces outils-là, mais c'est vrai qu'il y a Zoom, il y a TeamViewer, il y a qui finalement démocratise grandement la notion de vidéo. Il y a Loom aussi, qui est pas mal. Je ne sais pas si tu l'as Moi, vu. j'utilise Whereby, qui est plutôt intéressant parce que ça a l'avantage de ne pas avoir de logiciel à installer et qu'il y a juste un lien à partager. Comment ça s'appelle, t'as dit? Whereby. Whereby. Pas Ouais. mal, ça. Faudra l'intégrer dans le truc. L'avantage, c'est que je te dis, tu envoies un lien de connexion et les gens ont juste à cliquer sur le lien, ça se connecte, ils autorisent le Comme le micro. Meetup Google. Sauf que ça ne passe pas par Sauf que Google, c'est du pas coup. Google. Voilà. Voilà, d'accord. Et bon, on peut être à 4 en version gratuite et après, il faut payer pour être plus nombreux que 4. Donc, c'est vraiment un truc qu'on peut utiliser en interne ou juste quand on a un rendez-vous client, par exemple. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients. J'envoie le lien Whereby et voilà. Ouais, c'est pas mal, bah, on va le rajouter dans la liste. En attendant que tout le monde revienne, vu qu'on venait de fermer les salles, on était en train de parler d'autres usages de la vidéo qui sont autrement plus connus en ce moment, notamment sur la méthode conversationnelle, puisque là, on s'est tous parlé par l'intermédiaire d'écrans interposés et donc de vidéos. Oui. Ce que je vous propose de faire, c'est que vous prenez la parole à tour de rôle. Vous avez normalement un ordre d'affichage des participants. Je vais commencer par Aline. Aline, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot? Oui. Alors. Ça y est, on vous voit. Alors Aline, est-ce que vous avez pu réfléchir un peu à cette notion de vidéo et vous en pensez quoi? Alors moi, c'est ce que je disais. En fait, la vidéo, je ne l'ai jamais pratiquée dans ma société. Et comme on fait de l'impression 3D, l'idée qu'on avait avec le bureau d'études, c'est justement de faire des petites vidéos pour montrer un petit peu l'usage et tout ce qu'on peut faire en impression 3D. Donc voilà, j'étais là pour ça. Moi, j'aimerais vraiment l'utiliser vraiment pour faire des petits teasers, des petites choses comme ça, pour montrer en quelques secondes toutes les possibilités, enfin l'infini, tous les possibles de l'impression 3D. Ouais, le multi-teasing Ouais. avec les différents cas d'usage, oui, c'est vrai que ça Exactement. c'est un peu entre le témoignage et les réalisations, ça fonctionne bien, oui. Ouais, Ok. parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle d'impression 3D, tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais vraiment, ce qu'on peut faire avec l'impression 3D, c'est voilà, tout est possible. Donc voilà, donc on voudrait le montrer. C'est multipotentiel. Laetitia, vous voulez nous dire un mot? Alors. Oui, alors on m'entend? Oui, on Alors, entend, mais on ne vous donc voit pas, mais. Ah, c'est voilà. alors moi j'ai fait des vidéos. Effectivement, j'ai travaillé avec une équipe pour créer une chaîne YouTube qu'on devait lancer le premier jour du confinement. Donc pas c'était mal, un travail de 2 ans heureusement. qu'on a mis entre parenthèses. On avait 6 mois de tournage de prêt, de montée. Et puis bah, pendant la première quinzaine du confinement, j'ai dû retourner sans mon équipe. Des vidéos qui étaient adaptées au contexte. Voilà. Donc, comme je ne m'y connais pas du tout en technologie, toute technologie confondue, ça n'a pas forcément été évident, mais j'y suis arrivée. Et à distance, ben, j'ai essayé d'envoyer les fichiers pour que Mathilde les monte, pour que Guillaume les mette en ligne. Voilà. Bon, il y a eu quelques couacs. Et puis, ben, après, je n'ai pas poursuivi parce que j'ai eu. D'autres choses à gérer sur ma société. Mais du coup, le projet est toujours là, il faudra juste le réactualiser en fait. Voilà. Et c'est énormément de travail. Et donc l'objectif de la vidéo en soi. Alors, au départ, l'objectif, c'était des vidéos gratuites pour donner des conseils aux gens, comme je peux le faire en cabinet, en consultation ou en coaching. Sur des sujets récurrents qui reviennent, pour lesquels, au cours de ces 15 dernières années, j'ai
régulièrement les mêmes questionnements et où moi, j'ai l'impression de redire les mêmes choses aux gens, de réexpliquer ce qui, pour moi, me semble du béaba, mais qui n'est pas forcément pour le grand public. Donc, je trouvais intéressant de pouvoir proposer ça. Et après, dans l'idée, c'était d'avoir, parce que j'ai un projet digital qui est aussi un petit peu, du coup, à l'arrêt, parce que je n'ai plus mon équipe technique, mais un programme digital en ligne, cette fois-ci payant, contrairement aux vidéos de départ qui étaient gratuites, qui est un accompagnement de 5 mois en ligne et qui permet, grâce à des séances training, hypnose et neurosciences, de reprogrammer plein de choses au niveau du cerveau. Donc, en fait, c'est la vidéo est un service à part entière. Oui. Donc c'est une autre manière aussi d'utiliser la vidéo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait de la prestation en face-face, l'emploi de la vidéo sur cet axe-là, c'est vraiment pertinent. Ouais. Je ne vais pas pouvoir donner la parole à tout le monde, mais vas-y, Mathieu. Non, là, je dis là où c'est intéressant, c'est l'utilisation de la vidéo comme un moyen d'aller plus loin. C'est-à-dire que c'est la vidéo gratuite, on donne du contenu en répondant à des questions globales que beaucoup de gens se posent. Ça, c'est top parce que du coup, les gens ne vont pas forcément venir vous embêter entre guillemets avec des questions basiques, mais vous, ça va vous permettre de les enclencher sur la suite en disant bah, attendez, maintenant que j'ai répondu à ça, hop, passons sur la formule entre guillemets un peu plus payante, un peu plus personnalisée. Et donc, c'est des vidéos qui marchent plutôt bien, ça aussi. Bah, c'était une suite logique par rapport aux demandes que j'avais parce que moi, ça fait 10 ans que je fonctionne à distance et que je suis des personnes qui sont à l'étranger. Donc, d'accord. La vidéoconsultation, je n'ai pas découvert ça avec le Covid, ça fait 10 ans que j'en fais. Bah justement, puisque là, on parle de la notion d'international, la prochaine thématique sur avril prochain, donc c'est toujours les premiers mardis de chaque mois de 13h à 14h, ça sera sur le commerce international à l'heure du Covid. Ouais. Et ce qu'on peut mettre en place en fait pour pouvoir commercer sans forcément parler la langue du pays et ne plus pouvoir se déplacer. Merci beaucoup pour votre témoignage, Laetitia. Si quelqu'un d'autre prendre la parole, peut-être. Je ne sais pas ce que c'est I3D, mais I3D. Et puis après, on va laisser Mathieu clôturer. I3D ou L3D. Non, c'est I3D, bonjour. I3D, bonjour. Donc, en gros, bah, je travaille avec Aline. Donc, un peu ce que Aline vous a dit, c'est là, moi, je suis impression 3D. Je m'occupe de tout ce qui est conception impression 3D. Donc, voilà. Okay. Donc, Aline a déjà fait le… Aline le a déjà fait… OK. Bon, bah, je vais laisser Mathieu finir alors, parce qu'il reste 10 minutes. Oui, bah, pas de souci. Du coup, je reprends au niveau des exemples. Alors, je vais repartager mon écran quand même. Hop. Alors, c'est bon? Ouais. Donc, au niveau des exemples, alors, je le rappelle une dernière fois, au cas où on n'aurait pas compris, mais les objectifs et les cibles doivent rester la priorité quand on fait un contenu audiovisuel. Et c'est là les trois exemples qu'on a pris, qui sont des exemples d'entreprises un peu connues quand même, hein, même très connues, à part les petits prodiges qui sont une start-up, mais qui commencent à être connus, avec trois types de vidéos, trois façons de faire du contenu. Pour trois objectifs différents. Un premier objectif, c'est le storytelling pour raconter une histoire et captiver l'audience. Donc, ça, c'est les petits prodiges. Alors, je vous invite. Alors, j'ai mis les liens dessus, mais faudra voir comment on leur partage. En fait, il y aura un livret qui va être édité et tout le voilà. monde. Voilà. Bon, ben, on remettra le lien dessus. Mais je vous invite vraiment à aller voir les vidéos des petits prodiges parce que c'est une start-up dans la cosmétique, je crois. Hein. Enfin, oui, c'est ça. Qui ont justement fait plein de petites vidéos format Instagram souvent, donc format carré, et qui racontent des histoires et qui sont là pour captiver leur audience à travers le côté humain. Donc, ils sont très bons en storytelling. Ensuite, on avait le Secours Populaire qui est là, parti plus sur une interaction avec leurs utilisateurs, on va dire. Donc, en tout cas, faire de l'authentique, faire de l'humain, faire parler des gens. Donc, eux, ils sont vraiment partis sur ce côté témoignage, entre guillemets. Donc, pareil, je vous invite à aller voir ce que fait le Secours Populaire sur ça. Et en dernier, on était plus sur Marks & Spencer. On était sur une vidéo qui était orientée pack shot produit, c'est-à-dire des vidéos très filmées de très très près de produits alimentaires et en proposant une immersion sonore, c'est-à-dire qu'il n'y avait ni voix, ni texte. On était sur que de la musique et une musique connue en plus. Donc voilà, ça permet de voir trois types de formats qui, en fonction de la cible, peut être bien pertinent. Je vais enchaîner du coup sur la partie pour aller plus loin, donc juste pour montrer que nous,
sur trois, sur quelques exemples, on a aussi accompagné nos clients sur des trucs différents. Donc, on a fait une sorte de teaser d'ambiance très percutant, très court pour une entreprise qui s'appelle SoClip et qui allait au festival SWSX au Texas. C'était il y a 2 ans. Et donc, on lui a fait un petit teaser qui pouvait montrer sur le salon et du coup, qui interpellait les gens parce qu'on ne disait pas grand-chose. Mais pareil, on était dans cette histoire d'ambiance sonore, montage dynamique, bing, bam, boum, ça c'était clair, carré. Juste 2 mots très intrigants et du coup qui donnaient du questionnement. Pareil, alors toutes nos vidéos à nous, elles sont sur notre page YouTube ProVids. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos si vous voulez avoir un peu de l'inspiration, en tout cas voir ce qu'on a pu faire de différent en termes d'accompagnement pour nos clients. Je finirai donc avec Zigloo qui était une vidéo explicative pour une application en smartphone. Donc pareil, on a joué sur le côté motion design, donc animer des textes et en même temps des gifs. On est venu mettre des vidéos drôles, des gifs en plein milieu, des petits trucs drôles. Mm-hmm. C'était plutôt efficace parce que ça rend la vidéo très ludique et marrante à regarder. Et au final, on retient bien. C'est bien que tu parles de ça parce que pour terminer un peu hein, sur ces exemples, c'est des notions de rythme. Oui. Les notions de rythme, de cassure de rythme, d'intégration d'éléments inattendus. Exactement. Jouer sur les émotions, transmettre. C'est vraiment des leviers qui font que la vidéo devient efficace ou pas. Alors, il y a la durée. C'est exactement ça. Mais là, les exemples qu'il est en train de donner, c'est vraiment ça. Bah, du coup, pour finir, on est vraiment là-dessus. Je finis juste sur les 2 derniers, comme ça au moins je suis complet. Clever Beauty, on était sur une campagne Instagram. Donc là, pour le coup, vidéo de 15 secondes. Un vernis, un produit, un truc. Voilà, pareil. Là, c'était du 15 secondes Instagram. Pareil, la musique hyper importante. Pas de voix, pas de texte. Que des images et de la musique. Et enfin, le pédalier Cerdan qui va lancer son crowdfunding d'ailleurs dans quelques jours. Là, on était vraiment parti sur du storytelling, donc avec toute une histoire réfléchie. Et pareil, pas de dialogue, de la musique qui donne de l'émotion, des images qui font appel à nos souvenirs d'enfance et en même temps. Qui montre le produit. On avait mis un petit peu d'incrustation 3D au milieu pour présenter le produit, mais sans rentrer dans une vidéo explicative, pour rester dans l'émotion. Donc voilà, toutes ces vidéos sont pour moi pertinentes pour vos entreprises. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'on a fait. Et bon, à nous appeler si vous avez des questions, bien entendu. Mais voilà, en tout cas, vous avez un panel de d'exemples et d'outils. Et de contenus et d'outils. Pour conclure, voilà, n'oubliez pas, ce qu'il faut retenir, c'est les outils qu'on vous a proposés pour créer des vidéos et pour les diffuser. Des astuces, c'est vraiment tous les éléments à ne pas négliger quand on communique avec une vidéo. Et enfin, les tips et les exemples sur lesquels on vous a amené un petit peu à réfléchir pour vos entreprises. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous contacter si vous avez des questionnements, des soucis, des demandes, des besoins. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais laisser quand même au moins 2 questions, non ? C'est bon ? S'il y a des questions, avec plaisir. Bon, alors, de toute façon, la règle, c'est le contenu, le contenu, le contenu, le contenu. Même s'il était en numéro 3, c'est toujours le premier sujet à traiter. Merci à tous pour votre présence. On espère que vous avez appris des choses. Et dans les informations que vous allez recevoir, n'hésitez pas effectivement à vous servir, à prendre un peu des éléments qui pourraient vous être utiles. Mathieu, en tant qu'expert, reste disponible pour les adhérents, donc n'hésitez pas à vous adresser à lui, vous avez son adresse email là. Et pour ma part, je vous invite à nous rejoindre le premier mardi du mois prochain, pour une session de 13h à 14h sur le commerce international à l'heure du Covid. Et puis, merci à tous, c'était très riche et j'ai vu que dans les salles, pour certains, ça discutait beaucoup. Si vous le souhaitez, là on peut arrêter la conférence et on peut faire en sorte que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre en salle individuelle si ça vous intéresse. Je vous invite à me le dire par message privé si vous le voulez. On peut faire en sorte que vous puissiez rencontrer quelqu'un ou laisser la salle un peu ouverte pour discuter. Merci en tout cas Marie-France. Merci Mathieu. De m'avoir fait venir pour partager mon expérience. Bon, j'ai l'impression que c'est OK pour tout le monde. Pas de volonté particulière.